Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la pleine lune du 19 décembre 2021, donc hors de Paris. Alors je voulais parler de la pleine lune et aussi du portail énergétique qu'on parle là depuis le 12 décembre ou le 15 juillet, j'ai vu, jusqu'au 21 décembre. Alors je connais pas encore grand chose dans ces domaines, on va dire, mais du peu que j'ai entendu, alors j'en parlais directement. Il y aura un portail énergétique apparemment qui s'ouvrirait, alors surtout en date du 19 décembre selon certains, selon la pleine lune, surtout la pleine lune, et qui se terminerait le 21 décembre. Donc on aurait le 21-12-21, voilà, donc c'est vrai qu'on retrouve des chiffres aussi un peu similaires. Donc forte énergie qui se terminerait à ce moment-là. J'ai vu aussi des régressions, des hypnoses sur une certaine chaîne, bon, je ne vais pas voilà, nommer, mais on serait dans une phase très forte au niveau énergétique et on redescendrait après assez fortement pour une stabilité. Voilà, donc après, je pense que c'est plus tous les énergéticiens, tous ceux qui sont les soins plutôt énergétiques qui pourraient me confirmer cela, car je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais c'est vrai que c'est intéressant. Car tout cela tourne aussi parallèlement à l'astrologie, donc par rapport au mouvement des planètes qui font qu'il y a une résonance. Donc j'ai aussi des parallèles, j'ai entendu dans des vidéos avec forcément la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne qui est assez forte. Hein, c'est vrai qu'elle amène beaucoup de changements, de transformations sur le plan affectif hein, pour certains. Voilà, donc changement très puissant, des énergies puissantes. On parle en lien avec aussi au niveau plus spirituel, religieux, donc la Vierge Marie, les énergies christiques. On arrive au solstice d'hiver, hein, le 21 décembre aussi. Donc voilà, il y a un lien avec aussi l'énergie christique. Hein. Voilà, donc après, c'est vrai que en faisant de la méditation, des choses comme ça, développer un peu son troisième œil, ou voilà, être plus dans le côté spirituel, c'est vrai que ça peut aider au niveau énergétique. Alors, faut être en forme, bien entendu, hein, c'est plutôt conseillé, mais c'est vrai qu'on peut aussi développer, voilà, peut-être des qualités, des compétences, des facultés, je dirais plutôt. Alors c'est vrai que pour revenir au niveau astrologique, bah, du coup, donc on a cette pleine lune, hein, donc soleil en Sagittaire, là, à 5h33, donc le 19 décembre, opposé à la lune, à 27-28 également, en Gémeaux. Donc pleine lune, donc Sagittaire, Gémeaux, la lune en Gémeaux, donc phase de demi-cycle, hein, cycle décroissant de la lune qui redescend, qui a son apogée, donc c'est plutôt une phase où il faut terminer les choses hein, en pleine lune, il faut éviter de commencer certaines initiatives ou démarrer des projets par exemple. Alors bon, c'est pas forcément grave, mais c'est vrai que c'est plutôt déconseillé, parce qu'en phase pleine lune, normalement on termine un cycle, enfin on est en phase de l'apogée, on va terminer le cycle. C'est plutôt en nouvelle lune qu'il faut démarrer les cycles. Alors bon, donc là, on a un ascendant scorpion, hein, j'ai mis à l'heure de Paris, donc voilà, on a quand même une intensité, hein, le scorpion représente l'intensité, les profondeurs, hein, en lien, ce que je disais justement, avec cette conjonction Vénus-Pluton, comme Pluton est le maître d'ascendant scorpion. Et si on regarde bien, hein, si je clique, on voit qu'il y a que des beaux aspects hein, en bleu, dont un sextile Neptune, hein, un petit peu large, mais qui est quand même. Donc il apporte vraiment beaucoup de alors surtout sur le plan affectif, hein, beaucoup de romantisme, de profondeur, de voilà, c'est excellent hein, à ce niveau-là, au niveau affectif. Et en plus de l'originalité, alors Uranus est un peu loin, mais avec la maison 7, il peut y avoir ce côté relationnel qui est assez marqué, et voilà, les échanges qui sont assez forts et qui sont assez prégnantes. Hein, on a les deux maîtres de l'axe 1-7 hein, qui sont en conjonction hein, Vénus-Pluton. Donc oui, c'est vraiment une forte pleine lune intense, très intéressante au niveau énergétique, c'est vrai. On peut le voir aussi, par exemple, avec la conjonction aussi de la lune aux lunes noires. Hein, on a toutes les lunes noires, j'ai mis les trois, hein, la corrigée, la vraie, la moyenne, hein, en gémeaux. Donc la lune est conjointe. Et donc ça redonne encore de la puissance, de la profondeur en même temps. Alors que la lune noire, c'est plutôt des manques et des zones d'ombre, ce qui peut avoir
un peu être le cas avec cette pleine lune, hein, au niveau émotionnel. Donc il y a un besoin de communication là en Gémeaux, hein, d'échanger. Donc là, l'axe de la pensée, tout ce qui est mental, émotionnel, sera favorisé. Enfin, impacté en tout cas. Le carré lune, par contre, peut créer aussi beaucoup d'imaginaire, hein, beaucoup de fantasmes. Fantasmes, hein, alors à la fois mental en Gémeaux, mais aussi de rêves, vraiment de fantasmes purs avec Neptune chez lui en Poissons. Mais soutenu quand même par un beau trigone de Jupiter, hein, donc avec des fantasmes bien vécus, on va dire. On se sent vraiment à l'aise, on peut échanger vraiment, on est vraiment épanoui, hein, avec ce Jupiter en Verseau, bien inspecté. On voit le sextile au Soleil, en plus maître du Soleil. Là, il y a vraiment quand même de l'épanouissement, du bien-être en cette fin d'année, on va dire, malgré tout ce qui se passe. On peut avoir, voilà. Dans une phase un peu de transitoire, c'est-à-dire on sait qu'on termine l'année, on prépare les fêtes. Donc voilà, il y a aussi ce côté aussi, pour ceux qui le fêteront, c'est vrai que c'est pas forcément facile pour tout le monde, bien entendu, mais il y a quand même ce côté, voilà, bienveillant. On est dans une phase encore sagittaire, hein, où on a ce côté assez optimiste des choses, ce qui est tout à fait salutaire et souhaitable, hein, bien entendu, d'avoir ce côté optimiste. Hein. Même s'il ne faut pas non plus, s'extraire de la réalité, et, hein, avec ce Mercure en Capricorne qui est passé là il y a quelques jours. C'est vrai qu'on demande quand même avoir des idées pragmatiques, rester réaliste, hein, même en amour. Hein, Vénus en Capricorne, c'est des relations solides. Alors justement, par rapport à ce Mercure, on voit qu'il y a un très beau grand trigone, hein, de Terre. Hein, là, je ne l'ai pas mis, enfin, il ne se met pas totalement parce que les aspects là, voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a Mercure, Trigone, Uranus en Taureau et Trigone, le milieu du ciel, donc de ce jour. Donc en même temps, ça peut donner là pour les 15 jours à venir, hein, jusqu'au 3 janvier, je crois, date de la prochaine nouvelle lune. Voilà, donc il y a beaucoup d'idées pragmatiques, originales aussi, qui peuvent être développées. Alors là, ça tombe aussi en maison 2, 6, 10, donc c'est vraiment des maisons de terre, hein. Ça fait analogie terre-terre, deux fois, à la fois au niveau signe, hein, en jaune, les fonds jaunes, là, les signes de terre, et en maison 2, 6, 10. Donc il peut y avoir un intérêt sur tout ce qui est domaine économique, hein, je pense plus au niveau mondial, donc voilà, avec des solutions originales. Et c'est vrai qu'avec le trigone à la maison 10, voilà, c'est pour des intérêts assez élevés, sociaux, professionnels, de travail, de réussite sociale. Donc il peut y avoir, voilà, des avancées peut-être à ce niveau-là encore. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être mises à contribution. Alors néanmoins, il y a un carré Chiron là, donc il faut faire attention peut-être à certaines paroles qui peuvent parfois peut-être blesser, par exemple. Alors pas violemment, ça peut être un mot, voilà, un mot de travers, un mot un peu dur, qui peut, en Capricorne, hein, qui peut réveiller certaines blessures chez certains, dans un domaine affectif, hein, en maison 5, hein, Chiron. Voilà, bon, après c'est pas non plus dramatique, hein, rassurez-vous. C'est que de la généralité, bien sûr, hein, ça c'est du général, hein, c'est pas du cas par cas, hein, bien sûr, hein, c'est comme... comme les horoscopes, c'est pour ça que j'ai annulé, hein, mon truc des horoscopes. J'ai voulu faire en Bélier là, mais c'est trop général, ça prend du temps. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui forcément s'intéressent à l'horoscope. Donc voilà, je préfère faire plutôt des vidéos de générales sur l'actualité. Je pense que ça vous intéresse plus. Alors l'actualité par rapport à l'astrologie, bien sûr, hein, je peux pas trop, comme vous savez, parler de l'actualité pure. Sinon, je risque de faire striker ma chaîne. Hein, je tiens à le rappeler, c'est pour ça que c'est un peu compliqué aussi pour moi. Néanmoins, bon, vous pouvez faire le parallèle avec ce qui se passe par rapport aux énergies, hein, c'est intéressant aussi. Alors, je peux aussi en dire deux mots. Donc, on a eu ce Mars aussi en Sagittaire, donc qui est conjoint à nœud sud là en Sagittaire, donc qui vient de transiter le signe depuis le 14 décembre. Voilà, donc jusqu'au 19 janvier environ. Donc là, on va avoir 29 janvier. Donc on a un dynamisme qui est beaucoup plus exubérant, beaucoup plus conquérant, plus aventureux, plus chaleureux. Donc on agit avec idéal, avec beaucoup d'idéaux, hein, il y a une énergie forte, hein, là en maison 1, donc en analogie avec
le signe du bélier quelque part, donc il est un peu chez lui. Donc là, il y a un Mars qui s'affirme vraiment fortement. Mais ça peut quand même donner une incidence karmique, hein, conjoint nœud sud. Donc attention aux emballements, voilà, aux excès. Voilà, donc attention, hein, on peut avoir ça peut ramener des conflits. On est en fin d'année, c'est vrai qu'il peut y avoir tout ce qu'il peut y avoir au niveau, souvent chaque 31 décembre, des risques d'agression, de dommages au niveau véhicule, etc. Des voitures brûlées, enfin voilà, on sait comment ça se passe chaque année. D'autant que la Lune va rejoindre dès le 31 décembre, si j'avance par exemple dans le temps, on va voir. Non, je suis là un peu trop loin. Voilà, donc le 31 décembre, on voit bien. Ben voilà, la Lune rejoint Mars, le Sud, comme par hasard. Donc là, cette conjonction-là sera assez intense à ce moment-là, du coup. Voilà, puis il y a le carré Jupiter, hein, qui se forme. Donc attention aux excès d'émotions, aux excès. Voilà, il peut y avoir aussi un débordement émotionnel. Donc attention, parce que ça peut. Alors après, selon aussi ce qu'on va nous annoncer, hein, parce que ça change tout le temps aussi par rapport à l'actualité de la crise sanitaire. Donc bon, voilà. On parle de vaccination obligatoire selon notre cher président. Donc voilà, j'ai pas trop rentré en détail, hein, j'ai pas envie de me faire fermer ma chaîne. Donc à vous de faire le propre juge de ce que je dis. Voilà. Donc, que dire d'autre? Alors, on a ensuite le 21 décembre, donc la Lune qui va arriver en Cancer, et là, elle va former l'opposition à Vénus-Pluton. C'est pour ça qu'on parle portail énergétique. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment réel, mais en tout cas, c'est intéressant de voir que ça correspond aussi à la fin de cette énergie puissante, une opposition qui se crée dans le côté voilà, affectif, profond. Bon, c'est des petits, c'est une opposition qui est bénigne, hein, ça donne des tensions un peu au niveau émotionnel, mais voilà, c'est vraiment au niveau purement, je dirais, affectif, mais aussi les énergies puissantes intérieures. Voilà, donc ouais, pleine lune très intéressante. Donc, on a toujours aussi les nœuds lunaires, hein, qui terminent donc leur course là, dans le Gémeaux aussi, hein, on est toujours dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc hein, tout ce qui est communication, les échanges sont vraiment favorisés à cette période. Et après, on va rentrer dès 2022, donc en cours d'année, donc avec un nœud nord en taureau, un nœud sud en scorpion. Donc là, on sera plus dans l'axe possession, dépossession, la nature, l'écologie, le bien-être, le vivant, face à voilà, les remises en question, les transformations, voire les destructions qui peuvent affecter une période d'année 2022. Début 2023, c'est intense. Il va falloir peut-être sauvegarder le vivant, tout ce qui est écologie, enfin écologie, la nature qui va être affectée, via forcément ce que j'ai parlé au niveau des grandes catastrophes naturelles, forcément, mais pas que. Au niveau tout ce qui rapport avec aussi le corps, hein, c'est la matière, hein, c'est vraiment le corps qu'on peut toucher via toutes les nouvelles technologies, hein, avec Uranus, le nœud nord va le rejoindre. Ça peut être voilà, la nourriture, l'inflation, tout ce qui domaine de l'argent, l'économie, donc à suivre de très près. Hein. Cette année 2022 va être très décisive, hein, je pense, avec ce nœud nord en taureau, surtout quand il va rejoindre Uranus, là, en milieu d'année. On va avoir des événements assez importants qui vont arriver. Toutes les planètes lentes sont plus ou moins directes, hein. Il reste que Uranus qui est rétrograde. Il passera justement direct un mois après cette pleine lune, le 19 décembre, donc 19 janvier, Uranus reviendra direct. Donc il se passera quelque chose, un événement peut-être marquant au niveau imprévu, là, à ce moment-là. Donc à suivre, hein, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va y avoir? On regardera peut-être la nouvelle lune à ce moment-là. Et la future pleine lune aussi. Donc voilà. Donc on voit qu'on est en fin de période, fin d'année. Donc là, c'est comme s'il y avait la fin d'un cycle au niveau, je dirais, civil de l'année, hein, toutes les pètes qui se reviennent direct, donc un nouveau mouvement qui se met en marche. Donc on voit aussi qu'on bascule aussi vers autre chose, parce que bon, par rapport au plan des élites, je dirais, alors si je peux,
parler 2 minutes, mais on voit que tout s'accélère aussi. On voit bien, hein, que ce soit par rapport à l'injection, ou par rapport au pass, etc., aux variants, 5, 6, 7e vague, tous les mois, une vague tous les mois, une injection tous les mois, tous les 6 mois, enfin bref. Donc voilà, on voit que tout s'accélère, donc à voir comment ça va vraiment évoluer. C'est vrai que pour l'instant, je dirais que on n'a pas des énergies trop trop négatives, hein. C'est plutôt tempéré. Il y a même beaucoup de choses positives aussi, hein, malgré ce chaos ambiant, je dirais. Alors forcément, on a toujours le carré Saturne-Uranus qui sera alors à suivre de très près, justement, ce qui se resserre, hein, Uranus rétrograde, donc il arrive au degré partiel exact, donc à Saturne, le 24 décembre, donc le dernier carré exact Saturne-Uranus. Donc c'est vrai qu'on est dans une fin d'année importante. 19 décembre, on a donc cette pleine lune. 2 jours après, on a ce fameux fin de portail énergétique, hein, et le 24 décembre, veille de Noël, le fameux carré Saturne-Uranus, dernier carré, hein, le troisième de l'année. Après le 17 février, le 15 juin, on a le 24 décembre. Donc moment très important, parce que souvent, plus le carré exact, plus il y a une décision importante qui se fait au niveau mondial. Hein, faut toujours compter aussi quelques degrés, ou plus ou moins avant, après. Hein, donc pendant cette période-là, hein, novembre, décembre, janvier, je dirais. Et ce carré va commencer après à se séparer, avant de se reformer une dernière fois fin 2023, à partir de août-septembre. Et se dégager vraiment fin d'année, début d'année 2023, le 7 mars, enfin vers le mars 2023. Donc bon, on a encore pour un an et demi, bien sûr, facilement de ces tensions au niveau privation de liberté, Covid, etc. Donc voilà, se préparer quand même pendant cette période. C'est pour ça que l'année n'est pas facile. Je vois dans les commentaires de ma dernière vidéo, c'est pas très réjouissant, tout ça. Bah oui, je vais pas vous dire que tout va bien si c'est pas le cas. Bien sûr, j'aimerais bien que tout se passe bien, que tout aille mieux demain, le monde des bisounours, mais malheureusement, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ça va se faire, il y aura un renouveau, je l'espère, en tout cas je le crois. Même s'il faut garder toujours ces deux côtés pragmatiques, ne pas être trop dans l'optimisme forcé, comme je dirais, et un pessimisme voilà, ambiant, qui génère des égrégores aussi négatifs, qui sont pas forcément bons, forcément au niveau énergétique, j'en conviens. Mais voilà, il faut quand même faire la part des choses. On est dans un monde, un basculement d'humanité, quelque chose de très difficile de ce qu'on vit au niveau économique, social, sur tous les points de vue, hein, spirituel. Donc voilà, il faut raison garder aussi, tout en étant, voilà, en cultivant la joie et la sérénité au quotidien. Voilà, faire sa vie, et essayer d'être au maximum le plus, je dirais, bien dans sa peau, malgré chacun ses problèmes personnels, bien entendu, mais il faut toujours garder un espoir. C'est vrai que les transits, selon certains, ne sont pas toujours faciles à vivre pendant une période donnée. On peut vivre forcément une année, par exemple 2022, compliquée, mais c'est peut-être aussi, voilà, c'est aussi le chemin de vie, le karma, tout ça, enfin c'est... C'est aussi des événements auxquels on doit passer, sans doute, hein, pour apprendre des choses. On est là pour apprendre sur Terre, on n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour décorer, hein, faire décoration. Donc l'âme, elle doit comprendre des choses, c'est pour ça qu'on vit des choses forcément pas toujours évidentes. On peut vivre des deuils, des trucs très difficiles aussi, donc... Mais voilà, après, ça nous dépasse, hein, c'est au niveau plus de l'âme, je dirais, de l'esprit... Voilà, pour comprendre beaucoup de choses aussi, parce qu'on ne s'est pas aussi incarné sur Terre à cette période par hasard. Hein. C'est aussi pour comprendre certaines choses, qui, c'est vrai, parfois peut nous dépasser, je l'en conviens, mais si on a un recul par rapport à la spiritualité, je pense que ça peut être intéressant de voir aussi que toutes ces énergies nous aident, parfois nous remet en question, nous fait comprendre des choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses, en fait. Que bassement matériel et physique, mais c'est vrai que ça joue aussi sur ce côté-là, ce qui n'est pas non plus à exclure d'un revers de main. Voilà, donc pour vous dire, alors pour revenir donc sur cette et pour terminer donc pour cette pleine lune, donc pleine lune assez intéressante, et à voir comment on va vivre justement donc ce début d'année 2022 par rapport à cette fin de cycle, je dirais, par rapport à l'année.
parce que dès le 3 janvier, voilà, il y aura cette nouvelle lune, on aura tendance, enfin, j'aurai l'occasion d'en reparler. Voilà, donc bon, bah, j'ai fait un peu le tour, on va dire, au niveau énergétique. Donc bah, j'espère que tout cela vous aura intéressé. Les vidéos sont peut-être un peu différentes d'avant, j'ai pas le choix, il faut bien que je m'adapte aussi par rapport à YouTube, hein, malheureusement. Donc bon, j'espère que cette vidéo passera, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais voilà, je suis désolé pour tout ce qui est information, tout ce qui est actualité, malheureusement je peux pas faire des vidéos comme avant, je risque de me faire striker, voilà, donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, c'est important pour moi, pour la chaîne, me soutenir aussi via une contribution PayPal éventuellement. Vous pouvez me consulter pour des thèmes astrologiques personnels, le thème natal, les prévisions, des synastries, du karmique. Bref, vous avez ma description sous la vidéo avec tous les liens, mon site internet, mon mail pour me contacter. Voilà. Et puis vous pouvez prendre aussi des consultations en visu aussi. Je fais le thème écrit en visu ou sinon par prendre des cours aussi éventuellement si vous le souhaitez pour développer l'astrologie, apprendre l'astrologie, c'est vraiment une science passionnante. Alors la plupart connaissent aussi, hein, j'imagine, ceux qui regardent mes vidéos bien entendu, donc ça fait plaisir d'échanger avec vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter aussi. Hein, c'est pas que moi, voilà, face à vous, on peut échanger. Ça fait des contacts, des liens dans cette période, je pense que c'est important aussi, n'est-ce pas? Donc bah écoutez, je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année, pour ce Noël, pour ces fêtes. Passez néanmoins des bonnes fêtes, une bonne fin d'année, prenez soin de vous, gardez confiance, courage, faut pas céder, résister. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre? Bah, une très bonne année 2022, malgré qu'elle va pas être facile, hein, j'en conviens, je vous le cache pas, vous avez bien vu ma vidéo précédente. Mais voilà, faut garder espoir et puis bah, on se donne éventuellement rendez-vous donc l'année prochaine. Parce que je pense pas refaire une vidéo d'ici là, sauf changement, donc en tout cas portez-vous bien et à bientôt. Allez, au revoir.